Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, les membres de la famille impériale russe, les Romanov, sont fusillés sur ordre de Lénine. L'assassinat a lieu dans les caves de la maison Ipatiev à Ekaterinbourg, dans l'Oural. Les Romanov étaient sous surveillance depuis mars 1917, depuis la Révolution, qu'ils avaient déchu. Enfin, sous surveillance, on devrait plutôt dire en détention, surtout depuis que les bolcheviks avaient pris le pouvoir. À ce moment, la Russie était en guerre civile. Des armées anti-bolcheviques se créaient. Et une de ces armées anti-bolcheviques est alors justement toute proche de Ekaterinbourg. Ça explique la décision qui a été prise d'assassiner les Romanov, pour empêcher leur libération. Et comme on parle de l'assassinat des Romanov, on peut évoquer les rumeurs qui courent depuis longtemps, comme quoi certains des enfants Romanov auraient survécu. La princesse Anastasia, par exemple. C'est possible, oui, mais bon, personnellement, ça m'a l'air très très peu probable.